un petit peu à quoi ressemble des Harley. On va surtout entendre le bruit sur la fréquence. On va vous faire vivre tout ça en direct, les vibrations. Il y aura une voiture qui va accompagner toutes ces magnifiques machines dans les rues de Paris. À bord, il y a ma co-animatrice, Juliette, et sa jolie voix, bien sûr, qui va vous commenter un petit peu ce qui se passe. Et puis on essaiera un petit peu d'enrichir la culture en vous racontant un petit peu les endroits traversés par, par ces magnifiques machines. Si vous les croisez sur Paris, sur le parcours que je vous ai indiqué tout à l'heure, il faudra klaxonner bien fort. Va bientôt démarrer. Vous savez, ce tour organisé par le Paris Chapter Tour Eiffel, Paris Tour Eiffel Chapter France très précisément. Ce tour va commencer. Ça va faire vroom vroom entre les jambes des participants. Je sais que Stéphane est parti. Ça pratiquement. Je suis sûr qu'il a le sourire aux lèvres, comme vous toutes et vous tous qui êtes sur les bandeaux, comme vous peut-être qui êtes en train de les admirer. Profitez-en. En plus, il fait très très beau aujourd'hui. Je sais que Jacques Kersinti va nous rendre compte de la situation dans très peu de temps maintenant. C'est une très belle opération que celle organisée par le Paris Tour Eiffel Chapter France et puis par, également par Stéphane, parce que c'est vrai que Stéphane il a mis du sien pour que ça se passe dans les meilleures conditions et il a réussi le coup. Toucher les motos, les voir, vous pouvez hein. Les palper, les... Le bitume parisien à bord des Harley, la route 66 en plein cœur de Paris. C'est très particulier, ça n'a rien à voir avec nous. Il y a un gant là. Ah oui, ouais, tu vas voir, c'est impressionnant. On est obligé de mettre un casque. Oui. Par contre, Yeah.
accompagner les Harley. Il faut quelque chose qui bouge, qui fasse du bruit. Et on a l'habitude le dimanche après-midi. Ah ouais, ça ressemble pas au dimanche matin, mais c'est ça, écouter les différences aussi, y compris dans le programme musical. Et dans quelques instants, à bord des machines infernales du Paris Tour Eiffel, les Harley Davidson, il y a plus de 25 motos. Si vous voulez venir admirer ces machines, elles sont stationnées au 29 boulevard des Batignolles, plus pour très longtemps puisqu'il y a un macadam parisien, le bitume, voilà, avec les vibrations, le son, l'Amérique en grand. C'est cet après-midi, on va vous faire vivre ça en live et en direct sur le 93.9 dans l'émission Interdite. Stéphane, je reste aux commandes derrière la platine, derrière les platines dans les studios, et il y a Juliette qui est à bord d'un véhicule qui va vous faire vivre tout ça. Voilà, il faudra bien un petit coup de soda parce que quand je parle vite et fort, et ben ça donne soif. Voilà, le 93.9 pour OFR. Tu vas prendre une fille, ce serait bien. Hein ? Voilà. Voilà, rendez-vous FM sur le 93.9 à Paris. Nous sommes ensemble pour une couleur radio libre ce dimanche jusqu'à 19h. Le Paris Tour Eiffel Chapter France donne rendez-vous à tous ceux qui ont envie de mater des Harley et envie de faire trembler le bitume parisien. Ça se passe 29 boulevard des Batignolles et c'est en live sur EuroFM cet après-midi sur le 93.9. Les miroirs font de la moto. Accrochez-vous, on va vous faire vivre ça en direct avec une voiture suiveuse, un cortège d'enfer, plus de 20 motos, 20 Harley, une horde de Harley qui va défiler sur un parcours prestigieux, la Madeleine, la Concorde, je vous fais tout dans le désordre, la Tour Eiffel, l'Étoile, deux runs organisés cet après-midi. Vous avez remporté, vous les auditeurs, le droit de monter à bord de ces Harley avec des super bikers et des bikeuses. Alors gardez bien l'écoute, restez fidèles. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, c'est Stéphane et Juliette qui pilotent la radio. Thank you.
va ma grande? Ça se passe bien? Ça se passe bien? Thank you.
été dur, hein. Ça devient dur, hein. Là, ça devient dur, ouais. Est-ce qu'il y avait une autre jeune femme à bord des motos Attends, je vais poser la question. Les deux parcours dans Paris ouverts par la police nationale qui ont fait passer le son des États-Unis cet après-midi dans la libre antenne. C'est l'esprit Radio Libre jusqu'à 19h avec Stéphane et Julien. Au début, j'avais un petit peu peur, mais après, ça allait mieux. Quoi. Mais c'était très bon. J'en demande. Stéphane m'a reproché de toujours redemander des choses. Stéphane, qui est le jeune homme qui est à l'antenne pendant que nous, on est en train de se promener sous le soleil parisien. C'était extraordinaire, j'étais avec Thierry et on s'est à la fois bien marré. Je pense qu'on a partagé un moment sympa, enfin en tout cas pour ce qui me concerne. Pour lui, c'est pas à moi de parler. Moi, ce que j'aime avant tout dans la moto, c'est la sensation physique de la moto qu'on a avec soi, contre soi. Et puis c'est évidemment les démarrages. Alors je suis un petit peu triste que dans Paris, on n'ait pas le droit de faire des pointes de vitesse. Mais qui sait, peut-être un jour, on aura l'occasion de faire de plus longs trajets, sur de plus longues routes. Très très bien, très très bien. En fait, c'est la première fois que j'en fais, je découvre, j'ai découvert ça aujourd'hui. Et c'est extraordinaire ce qu'on a pu ressentir, en fait, moi qui n'ai pas la vie. J'en redemande aussi, j'avoue que j'en redemande aussi, voilà. Je crois que c'est toute une légende avec déjà le bruit, les cylindrés, la bécane qui est bien entretenue. Je peux dire que c'est un petit bijou pour ceux qui la conduisent. C'est vraiment génial. Quoi. Les cheveux dans le vent, comme on dit bien que j'en ai pas beaucoup sur la tête. Quoi. Mais moi je maîtrise pas la bécane avec un bon. Tu peux prendre Marie-Laure qui quelle est là, belle balade, hein. On va partir là. Bon, et comme d'habitude, j'appelle Nelly, elle est à la récompense. Tu me gardes ça dans l'image parce que je ne dis pas que. Elle n'est jamais là. Salut Stéphane. Donc, s'il veut qu'on vous aille le chercher pour venir ici. Oh là là, la pression. Alors écoute, effectivement, j'avais semble-t-il le plus beau motard de tout le quartier. Bon, faut pas le dire à tout le monde. En tout cas, il était adorable. Il m'a décrit la balade. Il s'est planqué dès qu'il a vu un portable. Il a un journaliste intercoupeur s'approcher. Voilà qui revient. Si tu veux lui parler, je pourrais te passer. Et en attendant, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je sais pas. Moi, j'étais comme un petit gosse qui faisait un tour de manège. Voilà, on se retrouve toujours en direct avec Gilbert Lemaire, le directeur du Paris Tour Eiffel Chapter France, qui nous parle de Harley. Pour ceux qui nous rejoindraient simplement maintenant sur le 93.9, la fréquence d'Euro FM, je vous rappelle que vous pouvez également nous retrouver sur le www.eurofmradio.net. Nous étions depuis 14 heures à bord d'une vingtaine de Harley Davidson pour deux runs d'anthologie dans Paris, ouverts par la police nationale.
On a crié les feux rouges, on a mis les sirènes, c'était grand. On vous a fait participer, vous les auditeurs de Roi FM, qui avez choisi au 01 42 28 08 80 de nous rejoindre à l'intérieur du poste. Et on vous en remercie. Merci pour votre fidélité. C'était notre cadeau à nous en cette fin de saison, j'allais dire juste avant les vacances. Gilbert, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la philosophie Harley Davidson. Bien entendu, vous nous en avez donné un exemple cet après-midi, mais j'aimerais qu'on voit un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on appelle la philosophie Harley Davidson. Alors, ce qu'on appelle la philosophie Harley Davidson, en fait, c'est le savoir bien vivre, le savoir vivre, le savoir vivre bien, puisque les gens qui roulent en Harley, généralement, sont des gens qui ne sont pas pressés, des gens qui aiment bien vivre, qui aiment bien manger, qui aiment bien s'amuser, qui aiment bien faire la fête, et qui aiment aussi rendre service quand on les sollicite, et rendre service avec beaucoup de bonheur et beaucoup de commandes. Cette opération d'aujourd'hui, on est très très content, Stéphane, de l'avoir fait avec toi. Et sache que le Paris Tour Eiffel répondra toujours plus ce genre de sollicitation. Bah écoute, c'est super, c'est super. Ça fait partie de la philosophie Harley Davidson. Je remercie les membres du chapteur du Val d'Oise qui sont venus nous aider sur cette opération. Bien sûr, le Paris-Bastille que j'ai sollicité hier et ils ont spontanément répondu présent. Et puis, comme d'habitude, nos amis de Montlhéry qui, à chaque fois qu'on les sollicite, sont toujours présents également. Donc, merci à tous de nous avoir épaulés sur cette opération qui était une opération qui faisait chaud au cœur. C'était génial, j'ai jamais vu Paris comme ça, sans feu rouge, c'est génial, faut le faire.